En faisant le tour de Mombasa jusqu'au Sénégal ou de Khartoum à Cape Town, je suis frappé par cette diversité géographique, cette beauté de l'Afrique qu'on ne perçoit guère quand on se trouve en Amérique ou en Europe. Quand je vois les fleuves du Niger, le Grand Congo, le Zambèze, le Nil, puis les montagnes de l'Éthiopie, les plateaux du Cameroun, les plaines du Kenya, sans oublier les animaux des parcs de Pendjari ou du Nyokolo-Koba, je découvre à quel point l'Afrique est riche et bien dotée par la nature. Ce sont d'énormes possibilités qu'elle pourrait mettre à profit pour amorcer un vrai développement. La richesse n'est donc pas ce qui manque en Afrique, mais plutôt les hommes pour s'en rendre compte. Affectueusement appelé Frenza, l'homme que voici fait partie de cette minorité de gens qui ont compris que le vrai problème de l'Afrique réside en la qualité de sa ressource humaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes les consommateurs passifs. On prend ce qu'on nous donne. Nous sommes comme des manœuvres. Donc, pour attaquer ce problème, il faut voir les besoins, quels sont des capacités nécessaires, quels sont des ressources humaines nécessaires pour faire face à ces défis. En initiant le projet Songaï en 1985, le frère Nza s'est très tôt investi dans le montage du nouveau type de capital humain dont l'Afrique a besoin. Il s'agit de la formation des entrepreneurs agricoles capables de produire des biens et services qui répondent effectivement aux besoins des populations. À ce jour, plus de 6 000 techniciens agricoles ont été formés à Songaï, sans compter les producteurs qui viennent de partout dans le monde pour des stages de renforcement de capacités. Cependant, loin d'en être satisfait, ce panafricaniste bontain à qui tous les honneurs sont donnés, le dernier en date étant sa reconnaissance le 2 mai 2017 en tant que pilier de l'agriculture, ne cesse de chercher les voies et moyens pour un développement réel en Afrique. Je me couche vers 1 h du matin, 2 h, parce que je vois les enjeux, je vois les défis. Le travail est tellement large. Pour les techniciens, ils exécutent correctement la recette qu'on leur fait. Ça, c'est bon. On a besoin de ces techniciens-là, qu'ils ont pris les techniques, nouvelles techniques, ils exécutent ça correctement. Ça, c'est important. On a besoin de ça, grand nombre, d'où on a commencé avec ça. Mais la réalité n'est pas prête à porter. La réalité n'est pas statique, n'est pas vraiment fixe. C'est comme une route qu'on ne connaît pas. Donc, on a besoin de gens qui sont formés, qui sont équipés. Dès lors, la nécessité de passer à une étape supérieure dans le montage du capital humain africain au centre Songaï s'est faite sentir. Songaï Leadership Academy, en abrégé SLA, fut alors la formule trouvée par le frère Godfrey Nzamudio pour former des leaders capables, grâce à leur background, au niveau de l'économie, au niveau des sciences, au niveau de l'histoire, de cerner tous les enjeux du développement et de réagir promptement face aux défis à l'issue de ce programme. Le programme SLA est un très bon programme dans la mesure où ça permet de former des leaders. Et le leadership, ce n'est pas la chose la mieux partagée aujourd'hui. Et donc, du coup, former des gens pour qu'ils deviennent des leaders, cela revêt un sens très important. C'est une formation globalisante, c'est une formation très bonne. Et elle a indiqué, si elle n'avait pas existé, il fallait la créer. L'aventure SLA commencera en septembre 2015 au centre régional Songaï à Porte-Novo, au Bénin, avec le soutien de l'Agence française de développement AFD. Chaque année, et ce sur 3 ans, 2 promotions sont formées. Les candidats viennent généralement de toutes les régions du monde, mais principalement de l'Afrique. Ils ont entre 25 et 35 ans, un niveau minimum de bac plus 2, acceptent de vivre en communauté sur une durée de 6 mois continue en régime internat et aussi acceptent de se soumettre à la discipline, la rigueur qu'impose la formation. Ceux de la 3e promotion, au nombre de 32, n'ont pas manqué de saisir l'opportunité. Ce que j'ai appris durant ces 6 mois, c'est d'abord me connaître moi-même. Je ne peux pas énumérer de fond en comble ce que j'ai appris comme expérience, mais de façon générale,
c'est trop. Moi-même, j'ai changé. C'est que quand je rentre à la maison, on va dire, ah, vraiment, tu as changé parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a quelque chose que nous avons appris ici, c'est le fait que l'homme danse avec la nature. Il existe une interaction entre l'homme et l'environnement. Avant de venir ici, en fait, je travaillais pour une entreprise de construction. Je sentais que je n'étais pas satisfait. Et quand je suis venu ici, je sentais que c'était vraiment un appel pour moi. C'est ce dont l'Afrique a vraiment besoin. Je viens du Niger, qui est un pays largement désertique, où la désertification augmente, la population augmente, la famine est quasi quotidienne. Il faut remédier à ça. Et j'ai découvert à Songaï qu'on pouvait le faire avec. Et j'ai aussi découvert que, vu d'ici, beaucoup de potentialités ne sont pas exploitées, qui sont exploitables grâce à ce que j'ai vu à Songaï. Et je compte mettre cela en pratique pour pouvoir impacter d'abord ma localité et servir d'exemple à toute l'Afrique, tout comme Songaï. I am a director for Zion Gate. Avant de venir à Songaï, je suis le directeur de Zion Gate Youth Center, un petit centre de formation intégré au Ghana. Le principal problème auquel j'étais confronté était le savoir-faire technique, les bonnes informations pour porter mon projet au niveau supérieur. En fait, c'était un défi très sérieux pour moi parce que je n'avais pas les informations techniques nécessaires pour rendre mon centre de formation fonctionnel et compétitif. Mon arrivée à Songaï m'a vraiment fait connaître les bonnes personnes ayant les bonnes connaissances, les bons mentors qui ont façonné mes rêves et je pense que d'ici, je vais réveiller mon centre de formation. J'ai eu la chance de tomber sur cette formation-là et tout de suite, je me suis présentée et j'ai été retenue pour la formation. Ce fut pour moi une opportunité d'en apprendre beaucoup. La formation, plus pratique que théorique, se déroule en trois phases essentielles, chacune durant 2 mois. La première, la phase de découverte et d'observation, permet aux aspirants leaders d'avoir une vue générale du système intégré de Songaï. Ils sont invités ensuite à affiner leur sens de la vue en observant avec attention et curiosité le fonctionnement des différentes unités de production du centre. À la deuxième phase, celle de l'apprentissage, les aspirants leaders retournent dans les unités de production, mais avec un regard nouveau pour apprendre comment les activités sont menées et la section gérée au quotidien. La phase de spécialisation leur permet enfin d'approfondir leurs connaissances dans un domaine spécifique. À la fin de la première phase, il y a une évaluation écrite, il y a un questionnaire qui leur est soumis et ils doivent répondre aux questions relatives à tout ce qu'ils ont eu à observer du point de vue technique et organisationnel dans la maison. Et à la fin de la deuxième phase, c'est-à-dire la phase d'apprentissage, on leur pose des questions sur tout ce qu'ils ont appris sur le terrain, que ce soit en production animale, production végétale, en pisciculture, marketing, un peu de tout. À la fin de la troisième phase, ils ont à rédiger un projet de développement qu'ils doivent soutenir. Donc, il n'y a plus une évaluation en tant que telle, mais le projet constitue l'évaluation parce qu'il y a une note qui est attribuée à ce projet-là et ça compte pour la note finale. L'autre particularité de la formation SLA concerne le mentoring des apprenants. Ils sont suivis chacun par un mentor qui joue, en quelque sorte, le rôle du maître ou de parrain. Les mentors sont des maîtres et qui ont des connaissances techniques, morales et organisationnelles, qu'ils transmettent à travers le coaching qu'ils font chaque fois ou chaque semaine ou sur le terrain pour se maintenir au fur et à mesure qu'ils évoluent. Dans le programme SLA, il est indiqué que
l'apprenant ou le mentee doit disposer de deux cahiers. Un premier cahier de notes et un cahier de synthèse, qui est un cahier de bord qu'on devrait corriger pour mesurer la capacité de synthèse de notre mentee, puisqu'il s'agit d'une formation de leadership académique. À la fin de chaque semaine, il dépose ses cahiers que le mentor lit. Et après lecture, le mentor passe pour des remarques. Ce qui est mal noté, ce qui est bien noté, ce qu'il faut approfondir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, le mentor essaie d'encadrer ça pour les réorienter dans le bon sens du programme. Et ce cahier est noté à la fin du programme. Les cours dispensés par les mentors, les animateurs et techniciens du Centre Sangaï ainsi que certains partenaires internationaux portent généralement sur le développement humain, l'environnement, la philosophie, l'histoire, la gestion, sans oublier les bonnes pratiques ou techniques agricoles. J'ai touché du doigt tout ce qu'on fait sur le terrain. J'ai fait l'agro-transformation, j'ai cultivé, j'ai tenu la roue, la daba, j'ai semé, j'ai planté, j'ai fait pas mal de trucs. Maintenant, je sais comment mettre en place une ferme agricole, comment gérer une ferme agricole et comment aussi apprendre aux autres jeunes à se prendre en main. J'ai grandi dans la partie nord du Nigeria où nous produisons à peine des légumes tout au long de l'année. L'un des légumes qui est difficile à produire pour nous, surtout dans l'extrême nord où j'ai grandi, Group State, c'est la carotte. J'ai appris à Sangaï Leadership Academy l'utilisation des micro-organismes pour la régénération du sol. Et c'est l'utilisation des micro-organismes qui a permis à cette carotte de germer dans ce type de sol. Je suis contente que mes attentes aient été comblées. Lorsque je serai de retour, je produirai des carottes en utilisant des micro-organismes efficaces. La communication et les langues n'ont pas été occultées. La communication, aujourd'hui, on ne peut s'en passer, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Mais il faut savoir communiquer également. Au-delà de ça, je prends juste un petit exemple. Le candidat qui a réalisé un projet qu'il veut soumettre à une institution ou bien des partenaires pour financement, il doit pouvoir défendre son projet devant quelqu'un qui a la capacité donc, de vous accompagner. Il n'est pas toujours facile d'aller à l'essentiel et de dire ce qu'il faut dire en peu de mots. Cette formation leur permet de savoir quelles sont les astuces qu'ils vont développer pour lorsqu'ils seront en situation pour pouvoir s'en sortir. Pour ce qui est de mon cours de français, ils sont très intéressés, ils sont très motivés parce qu'ils constatent en même temps que c'est une opportunité pour eux d'apprendre cette langue et ils la saisissent à bras le corps. À la fin, ils arrivent à communiquer facilement. La communication, un aspect très important qui favorise davantage les échanges, le brassage entre les cultures ou la vie en communauté. We have been able to gel together. Nous avons réussi à nous connaître depuis le début et nous avons formé une famille. Pour la communauté générale, quand je suis arrivée, c'était un peu difficile. Mais j'ai vu en l'espace d'un mois qu'il y avait des gens, même si je ne connais pas leur nom, nous nous saluons et sourions parce que nous nous rencontrons souvent à des endroits différents dans la maison. Cette relation de famille va me manquer. C'est la première fois que je me suis embarqué dans un projet où, avec une multitude de nationalités, ce qui m'a permis d'enrichir ma culture et de créer un réseau aussi que j'espère qu'il va grandir avec le temps. Et ça m'a beaucoup permis aussi d'être plus sociable, puisque j'étais de nature réservée, d'être plus ouvert. Donc, on vivait dans un esprit africain, purement africain, communautaire et sociable, ce qui m'a permis aussi de beaucoup m'attacher à la communauté et à l'esprit de l'intérêt commun.
Pour cette troisième vague d'aspirants leaders, ce sont au total 13 nationalités qui sont représentées. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Ghana, du Cameroun, du Sénégal, de la Gambie, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo.